Oh putain, au Pokémon Store, j'ai vu plein de gamins qui jouent à ça. Alors, je sais pas vraiment ce que c'est. J'ai cru voir que ça sorte de Pokémon Go. Et en fait, c'est Pokémon. Je comprends pas. Pokémon Ga Olé. Bah, je sais pas, les gamins faisaient la queue pour ça. Et ils y jouaient et ils bougeaient la Pokéball là. Vous voyez, il y a une Pokéball en fait. Ils bougeaient, ils envoyaient la Pokéball et ils appuyaient sur les boutons 1 et 2. Attendez, c'est combien? 100 yens la partie. Je risque de rien comprendre aussi, c'est ça le truc. Quand je regardais les gamins jouer, je comprenais rien. J'ai cru voir qu'après, ils pouvaient récupérer... Si les autres... D'accord. Bon voilà, on va dire que c'est ça. Ouais. Pokémon machin, on va essayer de se renseigner. Hop, il est là. Ah bah voilà, tu mets une pièce, tu choisis ton Pokémon. Et après, je crois que tu te bornes en voyant la carte, hein, c'est tout. Hein. Ah, c'est que j'ai vu. Ah, ils jouent à deux. Effectivement, ils étaient à deux, les enfants, sur la bande. C'est ça qu'ils faisaient, ils arrêtaient pas de taper comme ça. Et il tapait super fort, tac 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 tac. D'accord. Ce que je comprends pas, c'est que même si tu attrapes le Pokémon et tout, tu gagnes quoi? What? Oh, tu joues avec une carte que tu as normalement. Et ça sauvegarde tes parties dans la carte. J'ai pas tout compris, mais voilà ce à quoi jouaient les enfants en salle d'arcade par rapport à Pokémon. Graphiquement, c'est pas... c'est joli. D'être de la Switch, quoi. Voilà. Ouais, nous, on va continuer.